je sors d'un mariage et le problème que j'avais, c'est le sexe. Faut le dire. Je sentais que je n'arrivais pas à le satisfaire toute seule. Ça, faut le dire. Parce que si vous avez un homme qui a un appétit sexuel vraiment, à chaque fois, il le veut. Pour une femme qui travaille, déjà, elle ne peut pas assumer. Donc, je suis pour qu'il y ait une polygamie saine. Et lorsque je parle de polygamie saine, c'est une polygamie dans laquelle, bon, les femmes ne sont pas dans la même maison. Ça veut dire chacune a son chez-soi et à chacun son moment. Donc, de lundi à mercredi, monsieur est chez toi. De jeudi à vendredi, il est chez moi. Voilà, donc je préfère que ce soit comme ça. Déjà, ça va m'aider. J'ai le temps de me reposer, de m'occuper de mes enfants. Donc, au moment où il revient, je suis prête à l'accueillir. Voilà, donc je suis pour la polygamie saine. Il faudrait que nos sœurs acceptent ça. Il faudrait qu'on nous réapprenne ça. On est venu avec la culture européenne où on nous dit « il doit être mon homme à moi toute seule ». Mais c'est ça qui nous pourrit la vie aujourd'hui avec le phénomène des tchisas. Tout simplement parce qu'on a voulu nous faire croire que oh, maintenant nous sommes européens, on peut vivre comme les européens, voilà, un homme doit avoir une seule femme, mais je dis non, c'est pas possible. Un homme devrait avoir plusieurs. Il faudrait que la polygamie soit saine, il faudrait que les femmes acceptent cela.